Bonjour à tous. Eh bien aujourd'hui, ça va être un petit peu spécial. L'autre jour, on vous a laissé, nous étions à Narbonne, dans la famille, où on avait un temps pas terrible. Ben voilà, maintenant on est rentré à la maison. Et comme à chaque fois qu'on rentre à la maison, ben, il y a de l'intendance à faire. Donc il faut vider le matériel, il faut remettre à niveau toutes les petites bricoles qui sont réparées, à changer. Enfin voilà, il y a du travail. Alors, nous, on est quand même un peu des néophytes, hein. Ça fait moins de 2 ans qu'on a le gros. Et alors, si vous pouviez, vous, de votre côté, pour les plus aguerris d'entre vous, nous mettre un petit peu dans les commentaires ce que vous faites, si par rapport à ce que nous avons fait, peut-être nous faire gagner du temps et puis nous faciliter la vie. Et puis pour ceux d'entre vous qui n'ont pas de véhicule, ben peut-être qu'on vous en apprendra un petit peu. Allez, c'est parti. Alors, quand on rentre d'un gros périple comme on vient de faire, là, il y a du boulot sur un camping-car. Première chose, il va falloir viser tout ce qui est à l'intérieur. Autant vous dire qu'il y a du matos. Ensuite, eh ben, il y aura des petites remises à niveau à faire, des petites bricoles à réparer, des 2-3 choses à faire. Alors, on va commencer par vider déjà. Première chose. Ensuite, on s'attaquera aux petits travaux de maintenance avant de le stationner jusqu'au prochain départ. Voilà. Alors si vous vous souvenez bien, on est parti au mois de janvier, c'est-à-dire en plein hiver. Là on revient au printemps, mais là-bas c'était l'éternel printemps. Alors du coup, on a des affaires pour l'hiver, des affaires pour le printemps, et voire même pour du très beau temps. Alors voilà, quoi, il faut vider tout ça. Il y a des fringues, et encore des fringues. Et tout le reste, les chaussures, pareil en quantité. Ben voilà, quoi, il y a tout, il y a du boulot. Alors moi, ce qui me fait le plus peur à vider, c'est la soute. Ah là, il y a du taf hein, aussi. Il y en a depuis des mois là-dedans. On en a accumulé un peu, voire même beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau? Ouh là, ça, c'est juste les paires de chaussures. Encore, ils ne sont pas toutes. Et là, regardez-moi ça, il va falloir vider tout ça. Ça veut dire qu'il y a du boulot. Hein. Il y a les casques de moto. Quelques bouteilles, un petit peu de réserve, un peu de bière espagnole, histoire de se désaccoutumer tout doucement. Des chaussures à madame. Et le truc indispensable pour tout camping-cariste, les boules de pétanque. Allez, au boulot. Alors, on commence à y voir un petit peu plus clair. Je ne sais pas comment font les autres, mais le truc qu'on a trouvé, ranger plus facilement, c'est le genre de grand caisson, vous voyez, on met tout dedans, on les empile et ça va bien parce que c'est juste la taille qu'il nous faut. Voilà, et on n'a pas fini encore, hein. Il y a du boulot. Alors vous voyez, ça commence à prendre forme, on vide, on nettoie, on arrange. Alors là, vous voyez, on commence à y voir beaucoup plus clair. Hein. Ça fait du bien de le voir comme ça. Bon, maintenant, c'est le nettoyage. Alors, à l'intérieur, bah, ici, c'est pareil. Il hein. Faut que je range un peu les tuyaux encore. On n'a pas tout à fait terminé pour la soute.
Et à l'intérieur, c'est pareil, c'est les grandes manœuvres. Vous voyez, Martine qui est à fond aussi. Le grand nettoyage de printemps, puisqu'on est au printemps. Un sourire, bébé. Bonjour, bonjour. Et puis voilà. Et j'ai encore respiré, j'ai fait encore du bruit dans le micro, je suppose. C'est une sale habitude qu'il faut que je perde. Alors, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de vous faire voir. On a posé une déco dans le style rose de noyer, commandé à une boîte polonaise. Franchement, c'est de la super qualité. Si vous voulez donner un petit peu, enfin si vous aimez le style et que vous voulez donner un petit peu de cachet à votre véhicule, voyez, regardez, c'est pas mal du tout. Hein. C'est joli comme tout. La petite caméra là, que vous voyez à gauche, c'est celle de la caméra permanente qui est braquée sur la moto quand on roule. Très pratique pour manœuvrer avec une remorque. Ah, voilà, nous on aime bien, ça met un peu plus cossu comme ça. Ça nous a bien plu. Puis on a changé aussi ces housses. Et on a mis des housses de bonne qualité qui permettent de, comme vous savez, dans les intégraux, on est pas mal remué quand dans les virages et tout ça. Et là, vous voyez, il y a ça en plus du siège qui permet vraiment de bien bloquer. Et sincèrement, on fatigue beaucoup moins depuis qu'on a ça. Bon, voilà, sans leur faire de pub, hein, on a trouvé ça sur Amazon. Vous voyez, vous cherchez et vous trouverez. C'est pareil, ça vient d'Allemagne. C'est du bon matériel. Voilà, voilà. Bon, on va continuer notre grand nettoyage. Eh bien, c'est quand même beaucoup mieux comme ça. En fait, on a de la place, mais une fois que c'est plat, on dirait pas. Voilà, il y a de quoi faire. Prochain voyage, on est paré. Alors, je me suis aperçu l'autre jour que j'avais quelques petites traces d'usure, vous voyez, sur les parties sombres du bois. Bon, là, c'est dans la soute. Alors, on va essayer de voir si on peut rectifier ça avec du bon vieux brou de noix. On va voir si ça marche avec ce truc qui sert à atteindre l'immeuble. Et on va voir ce que ça donne. Voyons un peu. Ah, il y a un net petit mieux. J'en profite pour faire ceux de la soute. Bon, en fait, ça c'est plus pour essayer. C'est pour faire des tests. Parce que j'en ai un ou deux à l'intérieur. Rien du tout, hein, c'est des bricoles. On va voir ce que ça fait. Alors voyons celui-ci. Oui, c'est nettement mieux. Bon, c'est pas parfait, mais ça se voit beaucoup moins. Parfait, ça. Ah, celui-ci, il est un peu trop foncé. Bon, on va voir à l'intérieur ce que ça donne. Alors, sur la banquette de droite, ici, j'ai un tout petit point. Juste là en bas. Vous voyez cette petite bricole. Oh, c'est deux fois rien, c'est un petit peu d'usure. On va voir si on peut y pallier avec la teinture magique. Bon, c'est pas fait pour faire des rectifications, mais on va voir ce que ça donne. Alors, allons. Qu'est-ce que c'est? Bon, ça atténue un peu, mais c'est pas ça. C'est pas suffisant. Bon, mais tant pis. Je vais trouver mieux la prochaine fois. On va essayer. Bon, heureusement, j'avais que ça. Et ce que je vous ai fait voir dans la soute. Donc, c'était pas grave. Ouais, bon, un petit mieux. C'est pas tout à fait ça. Faut que je trouve autre chose. Bon, sinon, à part ça, je sais pas si vous pouvez regarder. C'est un engin qui a quand même 10 ans. Regardez-moi ça, tout est nickel, le placard impeccable, vous voyez, les climatiseurs aussi, allez regardez, voilà, ça s'ouvre, super costaud, ça a 11 ans, c'est allemand,
c'est du massif. Ah oui, on a un truc, c'est que nous, on se refuse à bouffer dans des assiettes en plastique. Alors, on a des assiettes en grès avec des petits trucs isolants entre chaque pour ne pas faire de bruit. On n'a pas envie de manger dans du plastique, on n'aime pas ça. Déjà, regardez, terminé, franchement. Et c'est un matériel qui a 10 ans. Ça n'a pas bougé d'un iota. Toujours le bar. J'ai envie de le virer, le bar, d'ailleurs, et de faire une bibliothèque, parce que je ne sais pas ce qui sert. En fait, ça fait joli, quoi, ça fait un peu cossu, mais pas très utile. Donc, je pense plutôt faire une bibliothèque, vous voyez, séparée en deux, ici, puis en mettre dedans. Bon, on a toujours de quoi lire. Voilà. Là, ici, on a changé les grandes télé. On a mis un 32 pouces. C'est quand même mieux, plus confortable pour y voir clair. Voilà. Et puis bon, sinon on n'a rien changé, hein. Tout est nickel. Voilà. La chambre toujours, bah, c'est pareil. Hein. Tous les placards sont en parfait état. C'est nickel, nickel. Franchement, c'est du super matériel. Il y a un climatiseur aussi dans la chambre l'été, mais ça c'est quand on est branché sur le 220. Hein. Donc ça a passé de puissance dans les batteries, puis je ne vais pas les cramer d'un coup pour ça. Voilà, on est toujours le placard, nickel. Et là, on vient de tout vider. Parce que... Et là, nickel, impeccable. Regardez ça, la gazinière est toujours impeccable aussi. C'est du Thetford, ça. Non, ouais, Thetford. C'est pas mal. C'est solide, ça ne bouge pas. La devinetterie, c'est pareil. Oh là, ça couine un petit peu, j'ai un petit, vous voyez ça. Ces jours, il faudrait que je commande des pièces et que je les change. Enfin, bon, il n'y a rien de grave, hein, ça va bien. Hein. Nickel, voilà. Bon, bah, le brou de noix, ça n'a pas tellement fonctionné. Hein. Bon, un petit mieux, mais c'est pas parfait. Et ben voilà, on va continuer tous les petits bricolages. Bon, on va venir à l'aménagement de la soute là, que j'ai fait il y a quelques mois. Bon, ceux qui ont regardé la vidéo où je le présentais, de quoi je parle, vous voyez, j'ai fait un faux plancher ici de façon à mettre les chaises dessous sur les portes. Ben, on a mis de quoi accrocher les godasses, ça tient moins de place. Ici, j'ai mis des portes tuyaux, vous voyez, tous mes tuyaux d'écoulement quand je suis pas tout à fait au-dessus, parce que je suis rarement au-dessus à cause de la longueur du véhicule. Donc je mets les tuyaux, je rallonge, et puis voilà, c'est bien pratique. Là donc, j'ai fait les étagères, je n'en avais pas à l'origine. Donc vous voyez, pour faire du rangement, tout ce qui est électrique, tous les câbles, toutes les rallonges, tout ça, bien pratique. Voilà, voilà, là-bas au fond, bah, c'est la chaudière, c'est du ALD, donc il n'y a aucun problème, ça fonctionne parfaitement. Voilà, voilà, bah écoutez, ça c'est mes petits aménagements, c'est bien pratique, ça nous a bien servi. Vous voyez, j'utilise encore là-bas au fond pour ranger un peu mes câbles, et les convertisseurs, les petites bricoles. Je mets tout ça aussi dans un truc à chaussures. Voilà, donc ça c'est les petites améliorations qu'on avait fait. Ben, franchement, j'en suis très content. Ah oui, ce matin, là, je vous avais fait voir, vous voyez ce petit écran, là, c'est la caméra que j'ai installée, de façon à avoir une caméra fixe en permanence sur la remorque avec la moto. Vous voyez. C'est très pratique, ça permet d'avoir, c'est comme un rétroviseur, c'est bien pratique. Comme ça, je surveille la moto et puis pour manœuvrer, c'est vachement bien, ça aide. Alors, je vais vous faire voir, j'ai mis une grosse caméra infrarouge en plus. Ça marche aussi la nuit. Moi, je laisse allumer ça en permanence. Voilà, ici, vous avez la première, c'est la petite caméra de rotule d'origine qu'il y a avec le système Pioneer. Moi, c'est celle du dessus que j'ai posée. Si vous voyez, voilà, avec ça jour et nuit, je vois ma remorque, et puis pour manœuvrer, c'est vraiment plus pratique.
Eh bien, hier, on est allé nettoyer le camping-car avec un nettoyeur haute pression parce que bah, il était dans un état lamentable. Donc, on a un lavage poids lourd pas très loin. Et puis, bah, voilà, ça c'est fait. Alors aujourd'hui, on va s'occuper de la moto et de la remorque qui sont dans un état lamentable aussi. Alors, on va faire la même chose. Et pendant que j'y suis, je vais en profiter pour faire un petit coucou à mon petit neveu Timéo qui est un grand fan de la chaîne. Coucou Tim, à bientôt, gros bisous! Et eh bien voilà, après 2 mois de crasse et de cochonneries en tout genre, plus une pluie de sable, la remorque. Elle est comme neuve, elle est nickel. Lavée au savon de Marseille quand même, hein. Faut être un peu chauvin. Et la moto, alors là, elle brille, elle est belle comme tout. Ces 2 mois, je ne l'ai pas vue comme ça. Ça fait plaisir.